Regarde, c'est comme chez toi, hein. T'as l'impression d'être à la maison. Je suis jamais à la chaîne, mais je parle que ça ressemble à ça. Au star préféré. Retrouvez les glaçons. Regarde, John Wayne. John Wayne, tu connais John Wayne? John Wayne. Ouais, c'est les empreintes de John Wayne. C'est impressionnant. Alors regarde, on s'est amené. Tu vas peut-être rencontrer un cousin. Alors reste bien sage-moi ici. Je reviens. Merci, vos stars préférées. Venez harceler vos stars préférées grâce à mon plan. Les stars. Tu as l'adresse de Michael Jackson. Ça gratte le buzz d'Inox Tag. Binsoup, même un Sherpa il veut pas de toi. J'ai juré Binsoup, un Sherpa il a le choix entre refaire le Mont Everest ou rester avec toi, il retourne au Népal. Surtout, il l'a remis. J'ai juré, je préfère être Sherpa que de côtoyer Binsoup. À 8h09 moins le quart. J'emmène mon moulin à la crèche, je rentre dans la bagnole, atroce. Mal de ventre, c'est genre, t'as qu'une envie, c'est d'aller aux chiottes. Là, mon pote, t'as le cul serré à mort, t'as qu'une envie, c'est d'ouvrir ton fion et de lâcher. Je suis pas loin de la crèche. J'ai mis à peu près 10 minutes aller-retour, c'était les 10 minutes les plus longues de ma vie. Je suis arrivé, j'ai tout lâché. Pouf! Tout est sorti. Ah, trans! Ah, franchement, il y a des mal de ventre, c'est horrible. Franchement, force à vous, les filles qui allaient accoucher. Apparemment, l'accouchement, c'est comme une super chiasse. Merci, Sluzy, ma biche. Peut dire à une gonzesse qui s'appelle Maïs que je drague pas tout le monde. Merci ma biche, Lazy ma biche. Et du coup, apparemment, merci Geeks pour le resub. Apparemment, les gars, les douleurs d'accouchement, c'est un peu genre une super chiasse. Apparemment, c'est ça, genre. Apparemment, c'est ça, les mecs. Donc, autant vous dire que force à vous, les filles, ça fait super mal. Encore le bénéfice du doute, alors que là, ça se trouve, il tombe sur mon stream, il voit ma tête, il pense à qui? Il pense à Karim Benzema qui a détruit sa carrière. Voilà, il a peur. Dès qu'il voit un mec qui ressemble à Benzema, il a peur. Voilà, c'est ça, la vérité. C'est, il lui a niqué sa vie. Et le mec, dès qu'il entend la musique de Ligue des Champions, il se dit, oh non. Oh non. Il est là, l'arabe? Ah non. Il est pas là. Ouf. Frérot, t'as peur de Benzema, ok, mais t'as pas peur de Kai Havertz. Normal. Pantalon quand même, sérieux. Même les filles, hein, sont habillées, elles sont dégueulasses, les filles chez vous, les gars. La plupart du temps, les gonzesses chez vous, elles sont dégueulasses. Et gentiment, les filles, elles sont en leggings ou en short tout dégueulasse. Elles sont dégueulasses. Faites pas nous croire, les filles, que vous êtes magnifiques à domicile. Dis gentiment. Ah bon, leggings. Un leggings bien dégueulasse. C'est pas le leggings à mettre à la salle avec le fionnard, tu sais, avec la belle raie qu'on voit bien à la salle qui t'excite bien le fion, là. Qui excite bien tous les mecs. Elles ont pas le même à la maison. Les gentils. À la maison, c'est le leggings bien dégueu. Putain, les leggings sont terrifiants à la salle, les gars. C'est trop, les filles. Arrêtez vos conneries, les gars. C'est trop, les gars. C'est pas normal, des leggings pareils. D'où ça sort? C'est pas normal. C'est pas normal, les gars. Rien de mieux que le naturel, c'est-à-dire, ma biche. Les gars, on va faire mon jeu préféré. Let's go. Manchester City se dresse ce soir face aux Slovaques Bratislava. Les Slovaques peuvent-ils créer la surprise devant leur public? Réponse dans 90 minutes. Et Bratislava déjà pour enfin toucher ce ballon et potentiellement une première contre-attaque vers Vladimir Weiss qui va pouvoir placer Vladimir Weiss pour renverser potentiellement à droite. Il a l'espace pour attaquer à droite. Et qui vient raser le monde. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Ah, je suis toujours aussi chaud dans cet exercice. Même pas besoin d'échauffement. Regarde sur Google, j'ai pas envie de regarder les mecs, c'est qui? Casser la tête là, j'ai autre chose à foutre. Qui est sur Google, à des boucaquets. T'as quitté ta main forelle. Le terme est boucaquier utilisé pour décrire une pratique sexuelle. Oh, collectif qui consiste à une éjaculation de plusieurs hommes sur le visage d'une femme. Oh, atroce. Et qui se retrouve souvent dans les films pornographiques japonais. Exemple, les scènes de Boubaké. Ton courant dans l'industrie pornographique. Oh, elle s'amuse avec mon Twitter, ok. Atroce. Ok, moral, tant mieux, ma biche. Effrayant, je connaissais pas, les gars. Ça respecte pas les femmes. Moi, franchement, les mecs, ça m'est jamais arrivé parce que moi, je respecte les femmes, les gars. Franchement, j'ai toujours trouvé ça dégueulasse que les mecs, ils aspergent comme ça la meuf. Quoi, ça ouf? Il y a Winamax et... Hey, il cache un Sherpa derrière ou quoi? C'est quoi l'histoire? Espagne qui s'est mis à mettre le match France-Espagne en Paris. Avec nos blazes et tout. Oui, d'accord, jouer à des jeux de hasard, c'est haram. Mais miser à l'an de buteur, c'est tout sauf du hasard. Eh ben, miser PFU de carton rouge, ce sera tout sauf du hasard le 12 octobre. Donc en vrai... Ou genre tu vois SDM buteur, Amine buteur, Boumé buteur, carton jaune et tout, c'est des ouf. Boumé fait 3 passes dans le match. Oh putain, le vionnaire. Je me sens un petit peu parce que plus âgée que fille. Tu t'en fais. Oh, le je cul m'appelle de Emmanuel, ouf. J'ai 46 responsabilités dans une entreprise. Ah, oh, c'est mérite un replan, on est normal. On est normal. On est quand même complètement normal. En fait, on le pétard, je suis estomaqué. Moi, perso, je me sens un petit peu en danger parce que je suis la plus âgée des filles. Donc je... En politique, c'est que droite. Hein. Généralement.
Vraiment très très à droite. Tout là-bas là. Tout là-bas. Bah en vrai, si je votais vraiment extrême droite, ce serait totalement con puisque mon chat est totalement arabe. Je tiens à le dire quand même. Merci Pirlo pour le resub. Merci Pignon pour le resub également. Merci beaucoup. Bon les gars, on va parler du Paris Saint-Germain, c'est ça qui vous intéresse, hein? C'est ça, vous vivez que pour ça de toute façon vous, hein? Les défaites du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Mais de toute façon les gars, qu'on se dise la vérité. Si on parle un peu comme Tiki par exemple. Hey grand, on va faire des travaux là. Je dis mais t'as déjà tout fait dans la baraque. Il dit ouais mais là je vais faire du carrelage. Je dis mais tu sais faire du carrelage? Il dit bah non grand, je sais pas faire. Mais sur YouTube il y a écrit. C'est YouTube, il y a tout. Alors lui il fait les vidanges des scooters, il est même pas dans ça. Il fait le carrelage, on sait même pas comment. Moi je respecte énormément. Je respecte énormément, moi les gars j'ai deux mains gauches. Donc franchement gros respect au daron. C'est pour ça que je vous dis que mon daron, je pense que je ne suis pas vraiment son fils. C'est difficile les gens qui arrivent pas à s'intégrer à un groupe. J'ai de la compassion, ça doit pas être gay pour elle, mais en fait elle fait tellement rien que... Il se régale Gérard le caméraman. Vraiment Gérard il doit se régaler là. Là GG au caméraman il se régale. C'est bon, arrêtez à prendre pour des détraqués sexuels. Je viendrai dans tes cauchemars quand tu oublies Bismillah. Moi j'aime pas Moi j'aime pas les gens qui disent Bismillah. Elle avait des jolies couleurs cette année. Dans l'espoir qu'elle se pose la question. Les gars quand même c'est cul hein. Son cul est énorme les gars. Regardez ce cul mais il fait trois fois mon cul. Énorme les gars son pétard. Bref voilà. Il a dit que la vidéo de fou. T'as qu'à faire la même, puis voilà. Mais c'est tout, y'a rien. Y'a rien. Déjà, il ressent une gêne. Il ressent une gêne au niveau du mollet ou bien de la cuisse. C'est juste ça. Juste ça. Donc, on va pas prendre de risque, on va pas le faire jouer pour qu'encore il se blesse. Qu'il prenne un coup et qu'il se blesse. Donc, c'est mieux. On le met au repos, puis voilà. Bon, on a la deuxième source du coup. Mais il joue contre Marseille, dimanche soir, 21h. Le mec, il est décuplé. En gros, c'est Hulk. Putain, c'est joli, il se décuple. C'est une machine de guerre. Il y a Marseille qui joue. Il gagne 1-0, forcément, il a envie de jouer. C'est pas pareil que Angers, ça fait plus bander. C'est comme si tu niquais Maïté. Maïté, toi, tu compares Maïté. Et après, tu mets dans ton lit Olberry. Forcément, tu vas avoir. Tu as Olberry, tu vas la ramener au moins 2-3 fois. Ça, c'est joli. Par contre, Maïté, je sais même pas si tu vas la niquer une fois. Ça, c'est joli, c'est normal. Alors, ce booster, c'est 4 fois plus fort que le C4. C'est du C8 ou du C9. Autrement dit, le Satan 2 là, de Poutine, c'est un peu la même chose que ça fait dans ton corps. Psychotique mélangé. Alors lui, mon pote, il va faire une séance full body. Il va faire une séance full body alors qu'à la base, il devait juste faire pec. Il va tout faire. Wesh. Franchement, Lola, dans un instant de l'un d'entre Lola, vous, elle vous me frôle avec son cul. Ouais, Fabrice, tombé, j'ai la bite en feu direct. C'est sûr. Ah ouais. Obligatoire. On dirait Pascal le Métain un peu. Vous me posez des questions, je réponds, c'est normal. Mais la meilleure sensation du monde, la meilleure all time, numéro 1. Il n'y a pas meilleure sensation que ça. C'est pisser aux larmes. Tellement ça te fait du bien de pisser, tu pleures de joie. Je vais dans un champ, toujours à côté de chez moi. Je vais dans un champ, il y a une nationale à côté. Frérot, moi évidemment, je suis normal. Hop, ramasse, je pisse truc, machin. Les gars, nationale, la nationale elle est à 110. C'est impossible, hein. C'est strictement, évidemment, t'as vu, quand tu pisses comme as, t'es comme as quand tu pisses, t'as vu. T'es comme as, je regarde un peu comme as, je regarde un peu comme as. Et puis, oh, par contre la pisse a été exceptionnelle et qu'est-ce qu'elle était longue. La pisse était longue de fou. J'ai dû pisser pendant 1 minute 30, zéro vanne. Je pense que si on mettait un chronomètre, j'ai pissé pendant 1 minute 30 tellement j'avais envie de pisser. C'est pas, les gars, 2 heures après, je vais sur Snap. Je suis certifié maintenant sur Snap. Sérieux? Attends. Par exemple, je m'entraîne au tir à l'arc dans le salon. Ah ouais, la télé, elle est pétée, les mecs, regardez. Bah, t'y a un trou là, y a 4 trous là.
Elle a niqué toute la télé, les gars, regardez. La meuf, elle est prendre ça. Oh, t'as belle paire. Hein. 2 heures après, je vais sur Snap. Je suis certifié maintenant sur Snap. Ah, c'est un détail, pardon. Je vais sur Snap. Notification rouge, je clique dessus. C'est toi qui pissais dans le champ au niveau du Plessis ? Les seules gonzesses que je vais voir ce soir, c'est dans les packs de FIFA. Sinon, on vous aime les femmes. Mais dans Ultimate Team, ça sera bien de retourner à la niche, ok ? Vous commencez à nous casser les couilles, j'ai juré. On pas que des gonzesses, y'a que des meufs dans les packs. Oh, j'en ai plein les couilles, sérieux, c'est un ok, c'est mix le football, mais à un moment donné, FIFA Ultimate Team, on veut des mecs, ok ? Vous commencez à nous faire chier les gonzesses. Restez tranquille. Parce que on en a plein les couilles, pas que ça. Que des gonzesses, c'est un délire. Y'a que des animations de meufs. Oh, c'est énorme. T'es de follow. Le plus de personnes possible, je suis normal. Transition. Du coup, un beau film de boule. Vous savez ce que c'est un... Vous savez ce que c'est un beau film de boule. Donc voilà, François Damiens qui dit ça en réunion parents prof. Ça me fait penser à quelque chose. Comment bouffer un cul, ça peut être bon? Bah franchement, en vrai de vrai. On est des animaux les gars, quand on baise, on est normal. On adore ça quoi. C'est ce que je veux dire. On est... La tête comme des tarés, quoi. On est normal, frère. Il y a la brigade de yoga dans le 24, je sais pas. Tu dis ça devant moi normal, quoi. Dégueulé. Ça va, t'es vieux maintenant. C'est quoi ça? Bah si, sois normal, vous voyez. Ça va, t'es vieux maintenant. Ah putain, même. Bah, j'ai déjà fait 150 km pour baiser. Arrivé là, je me suis tapé les enfoirés toute la soirée et j'ai paniqué. Autant te dire que le retour était long. Le pire, c'est que quand tu passes une soirée comme ça, après tu rentres chez toi, tu te branles. Ça, c'est atroce. C'est la pire soirée. T'y vas, la bite à la macrasse, t'es armé comme une bête. Tu fais tout le parcours sans branle. Tu dis putain, je vais être déglingué. Tout se passe bien. T'arrives là-bas, c'est pas, ça se passe mal. Là, du coup, tu finis la soirée. Bon, tu baisses pas, c'est sûr, tu rentres. T'arrives chez toi, tu te branles. Atroce. C'est une expression, le roi du pétrole. En gros, c'est le roi du pétrole, c'est Crésus, quoi. Merde. Un peu de jugeote, merde. Et bah, il comprenait pas la blague, du coup. Pas grave, hein, si on devait compter sur les femmes pour commencer à comprendre les blagues. Non mais parce que moi je pense... Alors les femmes, vous êtes magnifiques quand vous faites la cuisine, le ménage, la litière du chat. Désolé, je suis tombé sur ce clip avant de lancer le stream. Je suis normal, je suis totalement normal. Et qu'est-ce qui m'a donné... Ça rigole, t'as vu ça ma biche? Merci beaucoup mon canard. En tout cas, j'espère que ça ma biche, magnifique. Merci beaucoup mon snacku, ma poule. Bon, moi je me refais Breaking Bad là. J'avais envie. Waste 50 subs. Oh putain, magnifique. Oh les gars, magnifique, Zacus, la poutre à elle. T'es vrai, gars, les gars, ça va, il est blindé. Ça, les gars, oh, ça va. Merci beaucoup, mon Zacus, la poutre. Merci beaucoup, mamie. Magnifique, ma poule. 55, ça c'est vrai, les mecs. Prenez exemple, soyez normaux. Merci beaucoup, ma biche. Ça régale, là. J'ai bien fait de relancer un épisode. Un peu plus, j'allais couper, j'aurais raté ça. Ça, j'ai bien fait de relancer, les gars. Un peu plus, j'allais me coucher, là. Magnifique. Ok, bah, pas prendre les panini, du coup. Parce qu'un panini pas chauffé, bah, ça pas vraiment de sens, quoi. Je prends le panini, je ramène. Je prends le chez moi, je le mets au micro-ondes. Oui. Ah, d'accord. Je vais prendre un sandwich au thon alors. Oui, sandwich au thon. Il y a des tomates? Oui, il y a des tomates. Vous voulez des œufs? Ah oui, vous voulez des œufs? Ah pardon, j'ai interverti les voix. Bref. Moi j'adore le contact avec les gens. Putain, qu'est-ce que ça me régale. Qu'est-ce que j'ai hâte de retourner à Dubaï. My friend! Non! Carwash! Non, Carwash! Même si ça fait un mois que j'ai pas baisé, même s'il y a 30 bandes, j'y vais pas. Je suis normal. Je m'en branle. Au pire, je me branle et puis ça passe. C'est pareil, en vrai. Parce qu'imagine, je fais 30 km, je suis même pas sûr de la niquer. Autant me branler. Après, ça passe. Ton cerveau se remet en état. Ah bon, je parle pour vous. C'est moi, bien longtemps que je me branle plus quand même, je suis normal. Après, bon. Je me suis dit, on peut vivre sans téléphone, quoi. Faut arrêter les écrans. Parce que des fois, ok, des fois on peut prendre le téléphone pour faire des choses intelligentes. Et des fois, non les gars, non on fait pas.
Bon les gars, j'avoue, 3h du matin, je rentre chez moi, je regarde le plafond, je regarde mon téléphone, pas de wifi, aucun service. 3h30, toujours aucun service. 4h, moi j'ai été me branler dans un champ. Quoi ? Quoi ? Frérot, à un moment donné, fallait que je capte au moins une ou deux barres. Frérot, je peux plus me branler avec l'imagination, c'est impossible. Impossible. J'ai essayé, j'ai fermé les yeux et tout. J'ai putain, était comment un prof d'espagnol à l'époque ? Oh, je sais plus. Il y avait plein de couleurs, mais putain, ça vient pas. Frérot, 10 minutes de route, paf paf. Non, je plaisante. Par contre, il y a une vraie dinguerie. Il y a une vraie dinguerie. 6h du matin, il y a deux jours, qu'est-ce que je fais ? Du coup, c'est de la dope. Du coup, parlez, voyez-vous rapidement, comme ça. Si ça va pas, ça dégage. Comme ça, moi, t'évites les pertes de temps. Tu te masturbes debout. C'est pas la branlette debout, elle est incroyable. Ma première branlette, elle était debout. Hein. Elle était exceptionnelle. Moi, je masturberai toute ma vie, je suis normal. Ta gueule, à Sanovi, je commence à m'emmerder avec tes conneries. Là. Par contre, la baisse debout, c'est formidable. Parce que exactement. T'as pas vu, elle va gravir Mont Blanc, là, bientôt. Non, mais c'est fake, ça. Je crois qu'il a démenti Mathias ou je sais pas quoi, là. Il a dit non. Non, Mathias, il a dit elle va gravir Mont Blanc. Dégueulasse, franchement, je suis normal, les gars. C'était à mon époque où c'est que je baisais encore, tu vois ce que je veux dire. Maintenant, ça m'arrive beaucoup moins. Tu lui as bouffé la rondelle ? Franchement, oui, ma biche. En plus, elle était un petit peu grosse, mais elle était bonne. Toi, elle était un peu forte. Mais comme quoi ? Moi, vraiment, je suis pas trop attiré par les filles un peu trop fortes, mais... Alors, la dernière fois, je faisais une séance de pas de développé couché, mais de dorso avec Inox Tag. Il prend la barre, il commence à me dire « Tu sais, un jour, dans One Piece, un grand soldat a dit « Si tu peux pousser plus lourd, alors je lui dis « Va te faire enculer. Tu fais ça au cinéma, tu fais ça où tu veux, dans tes vidéos à la con, là. Faut pas commencer à me faire chier. Mets la poulie, là, et laisse-moi faire ma série tranquille. » Quand esprit Shin-Chengen, là, ça a deux minutes. Soyez sûr de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour rejoindre la team Notif. Maintenant. Ah mais ils sont fous les mecs dans les mangas. Ils dans la vraie vie commencent à te sortir des phrases des mangas. Ça y est, c'est moi tranquille. Sprit Shin Chengen, voilà, c'est ça que je voulais voir. Puis finalement, fin de journée, je suis plus motivé, bref. Et là, elle arrive à m'envoyer une photo, les gars. En mode peignoir ouvert avec un sein qui sort. Mais genre, pas un sein. Pas un sein normal, un gros nibart. Là, je vais dire un truc, mon sang n'a fait qu'un tour. J'ai finalement, c'est bon, je vais pouvoir m'arranger pour les enfants. Je serai là dans une heure. V'là la route pour aller à Villeneuve-sur-Lot de Montauban. Il n'y a que des virages. Oh, j'ai regretté toute ma vie. Bon, heureusement que je l'ai limé comme une bête. Atroce, les gars. Atroce, les gars. Je l'ai limé comme une machine de guerre. Je suis une bête ce soir-là. Merci beaucoup, Pim, pour le troisième mois. Ah, c'est normal, les mecs. T'as pas été au club de striptease à Las Vegas ? Tu peux enlever le tampon sur ton passeport, t'as pas été à Vegas. T'as pas été, t'iras peut-être jamais. Non mais parce que apparemment les clubs de striptease là-bas c'est un monde à part. Genre faut y aller même pour la beauté du geste. Même si t'es en couple, ouais peut-être pas en vrai. Non mais Non mais mec, t'as été à Las Vegas sur le ventre. Hop comme ça. Tu mets ça au ventre, là t'es une machine de guerre, gentiment. Les gars, j'ai une machine, c'est sûr. Putain, les gars, j'ai une machine de guerre. Les gars, je vais le faire tourner jour et nuit, le bordel. Je vais dormir avec. Je le mets sur le maximum du bordel. Incroyable ce bordel, les gars. Mais j'en avais acheté il y a quelques années. Bon, comment il se tient ? Non, je suis pas au gaz de ville. Cela fait maintenant 3 ans que je te suis, je suis paraplégique et que je suis tes streams dans mon lit d'hôpital. Regardez son sourire, il est trop heureux. Alors, bah merci beaucoup à Bryler. La vie n'était pas facile tous les jours là-bas et mes parents me mettaient tes streams pour me remonter le moral. Ça a donné un rang de motivation pour recommencer à marcher. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis en parfaite santé et je peux enfin me lever tout seul pour couper tes... L'ascenseur émotionnel, il est extraordinaire. Débile, va. Ah, mais l'autre, il s'est fait chier à marquer un... Regardez la répartie de con. À marquer un pavé à la con. Ouais, je suis tombé dedans. Ouais. Ouais, bon, je l'ai quand même banni pour la... Même s'il y avait une chute, je l'ai quand même banni. Le gars, il s'est fait chier.
Vermectine, qu'est-ce que c'est? Non mais vous vous rendez compte que ce mec est streamer? Les gars, ce mec est streamer, en fait, le seul truc qu'il fait, c'est jouer à des métiers de la vraie vie, mais tous les soirs. Au lieu d'aller trouver un emploi, tu vois. Genre, il est un jour, le lundi, il est médecin, le docteur Strauss. Le lundi, c'est le docteur Strauss. Non. Le mardi, il est caissier. Le mercredi, il répare des bagnoles. Le virus, non. Mais si t'as autant envie de bosser. Des infections bactériennes. Après, il a raison, il a pas besoin de se lever de sa chaise. C'est différent en vrai. Ou de son siège, on sait pas exactement ce que c'est. L'infest truc ma bite, c'est où? Ça me fume, il est tellement concentré dans son jeu. L'ivermectine. La chloroquine va arriver, les gars. Mais comment vous savez? Ouais, j'ai mal coupé mais ma tête. Vous savez? Ouais, va bien de ouf.